Jirama, mise en place d'une agence mobile. L'amélioration de ses relations avec sa clientèle est l'un des axes prioritaires de la Jirama dans le cadre de son redressement. C'est dans cette optique que cette société d'État met à la disposition des abonnés la Jira Mobile. Cette agence mobile a officiellement été lancée en Kurunjian West. Le directeur général Wun Zhenjiamang nous apporte davantage de précisions. Le Jira Mobile, c'est un des éléments de cette amélioration de la relation avec la clientèle, puisque au lieu que les clients soient obligés de venir dans les agences de la Jirama, eh bien, nous avons changé notre dispositif, améliorer notre dispositif, et la Jirama va aussi venir proche des clients pour rendre l'ensemble des services que ces clients-là ont besoin. Donc aujourd'hui, nous sommes ici à Kurunjian et nous avons en particulier une action très importante qui est la diffusion donc de branchements moules, c'est-à-dire branchements sociaux, proposé par la Jirama. C'est une nouvelle offre, notamment pour les familles qui ont besoin d'un soutien de la part des pouvoirs publics, de la part de la Jirama. Par ailleurs, la Jirama entame actuellement la réalisation des branchements moures au profit des ménages démunis. Au total, 30 000 branchements moures sont à réaliser en 3 ans dans tout Madagascar. Ces branchements vont être éparpillés notamment dans toutes les grandes villes de Madagascar. Il y a un travail très important qu'on doit faire avec les élus locaux, les communes, les Fuktan. Pourquoi ? Parce que ce sont ces autorités locales qui vont identifier qui sont les bénéficiaires potentiels de branchements moures. Ce n'est pas la Jirama d'identifier qui est famille défavorisée, qui ne l'est pas. Et donc ce travail-là se met en place ici à Antananarivo, mais dans toutes les grandes villes de Madagascar, afin que nous puissions le déployer. Le branchement moure permet une consommation d'électricité limitée à 5 ampères.